bêtises. Alors aujourd'hui, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, je vais vous parler de la marque Inglot. Beauty alert, la boutique Inglot est ouverte à La Réunion. Oui, 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 mesdames et messieurs aussi, vous avez bien entendu, Inglot est ouverte à La Réunion. Alors, plus précisément à Saint-Pierre, 43 rue des Bons Enfants, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Voilà, il faut savoir que, hormis à Saint-Pierre, il n'y a pas d'Inglot dans le reste de la France. Et pour une fois, on a une enseigne qu'ils n'ont pas, une grande enseigne de make-up professionnel. Voilà, donc je suis hyper contente. La première fois que j'ai entendu parler de la marque Inglot, c'est sur la chaîne de Lodoz Make-up. Et je me suis dit, mais cette marque est juste trop bien. Et de temps en temps, je feuilletais un petit peu, enfin je feuilletais, non. De temps en temps, je surfais sur internet et je regardais les produits Inglot, je me disais, oh, ils sont bien quand même. Oh, le Freedom Palette System, c'est trop chouette. Et puis, j'ai vu qu'ils étaient ouverts. Alors, je crois que ça fait entre 6 mois, peut-être moins de 6 mois qu'ils sont ouverts, je pourrais pas vous dire exactement. Mais voilà, ils sont ouverts à Saint-Pierre, donc toutes les fashion addicts de La Réunion, précipitez-vous, la boutique est juste trop bien. Vous en avez un aperçu dans le vlog que je vous ai posté la semaine dernière, donc je vous mettrai le lien sous mode de fiche, donc ça va apparaître quelque part par là, un moment comme ça. C'est un petit paradis du make-up, c'est trop joli, je n'ai pas d'autre mot, c'est vraiment très joli, très agréable, on est très bien accueillis. On a été pris en charge avec Valeska du blog Ava par deux make-up artistes qui nous ont conseiller pour les produits teints. On a été très bien conseillé sur les produits teints. À la base, je suis partie pour les produits teints, mais finalement, j'ai acheté tout autre chose. Les produits teints me plaisaient bien, mais je pouvais pas tout acheter. Hein, j'ai pas un budget non plus illimité. Alors, de temps en temps, alors je me rappelle plus exactement les horaires ni les jours, mais pareil, ce sera en barre d'infos. Ils font des démos make-up. Et nous, quand on y allait, malheureusement, il n'y avait pas assez de monde dans la boutique, donc on n'a pas eu la démo sur le storming. Donc, mais vous, si vous y allez, n'hésitez pas à assister à ces démos make-up. Je vais vous parler de ce que vous attendez le plus, je pense, c'est-à-dire mes achats. Je vais vous présenter mes achats au fur et à mesure et je vais vous parler de mes sentiments par rapport aux produits que j'ai achetés. Donc pour commencer, j'ai pris un Freedom System. Alors, le Freedom System que j'ai pris, il est comme ceci. Voilà. Il y aura un close-up où il est vide, parce que là forcément j'ai déjà mis toutes mes petites affaires à l'intérieur. Donc derrière, j'ai mis des étiquettes pour pouvoir me rappeler les numéros de ce que j'ai acheté, parce que sinon, si je vous fais des tutos, il faut bien les numéros, donc voilà. Donc il était présenté dans, le Freedom System était présenté dans ce packaging là, noir. Voilà, donc écrit Freedom System Palette. Sur le packaging, il y a l'adresse du shop sur lequel vous l'avez acheté. Alors moi c'est celui de Saint-Pierre, donc c'est Run Shop, 33 rue des Bons Enfants. Voilà, donc c'est 33 rue des Bons Enfants et non pas 43 comme j'ai dit tout à l'heure. 87-410 Saint-Pierre. Donc sur tous les emballages il y a ça et je trouve ça assez sympa que ça soit personnalisé par boutique. Donc le Freedom System que j'ai acheté, alors je vous parlerai de ce qu'il y a dedans après. Donc il y a un emplacement rectangulaire et trois petits emplacements carrés et donc c'est magnétique, voilà, donc comme ceci, voilà, et pour l'enlever vous faites coulisser comme ceci. Et sur le plastique transparent, il y a écrit Inglot, 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 Inglot. Le packaging est très beau, c'est un noir mat avec un plastique translucide qui est quand même très épais et c'est très solide et c'est vraiment très bien. Voilà, je suis conquise par ce Freedom System là. Alors ils ont un Freedom System qui est sans encoche, qui coûte 34 euros et je ne sais plus combien de poussière, et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, donc ça peut être très bien des fards Inglot ou d'autres si vous possédez des fards d'autres marques. Pour découvrir, j'avais envie plutôt de quelque chose de... enfin j'avais envie d'un Freedom System classique pour découvrir. J'ai pris mon ticket de caisse, comme ça je vais pouvoir vous donner le prix. Alors le Freedom System, la palette m'a coûté 16,90 €. Donc je vais vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a... moi j'ai mis 3 fards à paupières,
et une sculpting powder. Alors la sculpting powder s'était présentée comme ceci et ils étaient emballés dans des petits cases individuels en plastique avec de l'air, donc enfin c'était gonflé d'air, c'était pas, vous voyez, c'était sous pression en fait. Et ça sécurise bien le fard, je trouve. Et de la boutique jusqu'à chez moi, j'ai eu aucune casse. Et ils n'ont eu d'ailleurs aucune casse quand je les ai envoyés à Noémie. Si vous avez suivi le vlog, je suis partie à la base pour acheter des produits pour Noémie, mais je me suis fait plaisir aussi. Voilà. Donc elle les a bien reçus et je pense que voilà, c'est ce système là qui a fait que les fards ont bien voyagé. Donc la sculpting powder comme ceci, elle est marron. C'est un très joli marron qui convient très bien à l'incarnation. Alors à la base je voulais un bronzer, mais leurs bronzers sont irisés et moi je n'aime pas marquer mes traits avec quelque chose d'irisé. Si j'utilise un bronzer, c'est vraiment pour creuser, et l'effet satiné, je trouve que ça annule cet effet de creusage en fait. Après bon, c'est bien si on veut juste donner un effet bonne mine, mais si on veut vraiment un effet contouré, moi je préfère sans satin. Et celui-là, c'est la Sculpted Powder 507, donc c'est une poudre faite pour le contouring, enfin à mon avis. Hein. Pour moi, sculpting, c'est-à-dire sculpté, donc parfait pour le contouring. Donc elle m'a coûté 14,90€. Voilà. 14,90€. Et ensuite j'ai pris 3 fards à paupières. Donc j'ai pris un fard à paupières mono et 2 rainbow. Alors le rainbow en fait c'est une déclinaison d'une couleur mais sur 3 tons différents. Donc comme vous voyez ici, j'ai pris un gold. Un gold parce que j'ai envie cette année pour Noël, j'ai envie de faire un make-up, un smoky gold. Donc j'avais pas de couleur dans mes palettes qui me plaisaient pour le type de make-up que j'avais envie. Et donc j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci il a des sous-tons chauds et c'est le... Je suis bête, c'est écrit derrière. Et c'est le 25. Il y en avait un autre qui avait des sous-tons un peu plus froids. Mais voilà, moi je voulais vraiment quelque chose avec un sous-ton chaud, je voulais un doré chaud. Alors le doré m'a coûté 7,90€. Et les rainbow sont un peu plus chers, ils sont à 9,90€ l'unité. Alors la déclinaison de rouge rose c'est le 124 et la déclinaison de jaune c'est le 125. Alors le 124 vous avez pu le voir porter dans ma vidéo concours. C'est avec ce trio là que j'ai fait mon maquillage. Et là en fait je porte le jaune en smoky, donc il est au centre de ma paupière. Donc j'ai utilisé les trois sous-tons de jaune pour donner un effet très lumineux et pour donner une dimension au jaune que j'ai mis, et non pas juste pour avoir un aplat de couleurs. Et j'adore ces deux couleurs, enfin j'aime tout. Alors le doré je ne l'ai pas encore travaillé. Et ces deux là en fait j'ai pris énormément de plaisir à y travailler. Comme vous voyez le jaune est quand même très portable. Moi je l'ai porté avec une base classique. Si vous le voulez encore plus jaune vif, je vous conseille de le porter avec une base blanche pour vraiment que la couleur ressorte encore plus. Mais je l'ai déjà porté le jaune en journée avec juste un peu de jaune, un léger marron au creux de la paupière et un trait d'eyeliner. Et ça passe très très bien en journée. Et puis le dégradé de rose rouge est juste trop trop joli quoi, tout est très joli. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque hein, de toute façon, je ne vais pas vous le cacher, hein, j'ai adoré le shop, j'ai adoré les gens qui travaillaient et j'ai adoré les produits une fois utilisés. Et le dernier produit que j'ai acheté, mais pas des moindres, c'est un highlighter. Alors oui, j'ai acheté un highlighter après avoir crié sur tous les toits que je n'aimais pas l'highlighter. J'avais très envie de m'y mettre, je ne sais pas pourquoi. Comme je fais un teint très très mat, d'habitude j'utilise un concealer pour donner un effet de lumière sur mon visage, mais vu que je poudre, il y a un effet lumineux mais qui est quand même très mat quand même. Donc j'avais envie de donner un côté un peu plus lumineux à mon teint parce que vu que j'ai la peau grasse et que je poudre énormément, mon teint fait vite monocorde malgré la poudre bronzante et malgré le blush.
Il manque quelque chose, il me manquait quelque chose. Au fil du temps, il me manquait quelque chose. Et donc j'avais envie d'un highlighter. Donc j'ai pris celui de chez Inglot. Il est comme ceci, donc vous voyez, c'est un packaging toujours très épais, très solide. Donc comme vous voyez, il y a différentes teintes et vous mélangez le tout et ça vous fait un highlight. Alors là, j'en ai mis ici. Je ne sais pas si on verra beaucoup la caméra. Alors j'ai choisi parce qu'il était quand même très discret. La personne qui m'a conseillé m'a extrêmement bien conseillé. Je lui ai dit, je veux un highlighter, mais je veux quelque chose qui soit pas avec des paillettes et qui soit le plus discret possible en journée. Parce que bon, certes, ça reste du make-up et certes, ça va se voir. Mais je veux pas que non plus qu'on voit que j'ai un trait, quoi. Et donc, celui-ci, il est très 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 joli. Donc c'est un mélange de rosé et de doré au niveau des teintes. Donc quand je l'utilise, voilà, ça fait un effet bonne mine. Ça donne un glow très joli. Il se voit juste ce qu'il faut. Ça donne vraiment un relief bonne mine au visage sans faire boule à facettes. Et c'est satiné, mais... c'est satiné sans avoir de micro paillettes. Vous savez, comme on peut avoir des micro paillettes qui font que le satin ressort trop, quoi. Et là, en fait, c'est juste satiné comme il faut. C'est pas trop. C'est juste pas trop. Donc, c'est du make-up, donc forcément, c'est fait pour se voir. Mais ça fait pas étrange. Ça fait pas une sensation étrange. Si vous voulez vous mettre un highlighter, c'est celui-là que je vous recommande. Vraiment. Il m'a coûté 24,90€. Donc, il y a. 9 grammes, donc j'en ai pour une vie avec cet highlighter, je pense, hein. Maintenant que j'ai commencé, peut-être que je testerai d'autres highlighters de chez eux. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Moi, pour débuter, je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Donc voilà, ma commande Inglot est terminée. Au total, j'en ai eu pour 84,40€. C'est quand même moins cher que d'autres marques professionnelles pourraient vous proposer. Clairement, si vous voulez d'une marque professionnelle mais que vous n'avez pas un budget non plus illimité, là pour le prix d'un fard à paupières chez certaines enseignes, vous allez en avoir deux. Ensuite, alors je ne les ai pas achetés, mais à la boutique j'avais essayé un produit teint, alors le fond de teint YMC si je ne dis pas de bêtises, et un anti-cerne. Alors je ne me rappelle plus l'anti-cerne c'est lequel, mais donc comme vous avez pu voir dans le vlog, j'ai refilmé, la dernière scène que j'ai filmée était 17h30 et entre 11h et 17h30, ça n'avait pas bougé. J'avais l'impression à un moment peut-être de briller un peu, mais en fait non, pas du tout, il m'avait poudré le teint aussi. Et non, pas du tout, c'était forcément plus lumineux parce que j'ai transpiré et tout ça, mais c'était pas gras dégueulasse, quoi. Donc le make-up vieillit très très bien. Et la prochaine fois que j'y retourne, je prends le fond de teint et je prends l'anti-cerne. Et puis je sais pas encore ce que je prendrai. Mais voilà quoi, il y a de quoi dévaliser cette boutique. Il y a des vernis à ongles, il y a des rouges à lèvres. Voilà, c'est un petit paradis. Il y a plein de superbes fossiles. Alors je me suis pas attardée dessus parce que je m'étais dit, bon, je suis déjà un peu serrée dans le budget. Je ne vais pas me faire du mal, mais les fossiles sont superbes. Vraiment de très beaux fossiles. Il y en a des demi-franges, il y en a des très extravagants, des un peu plus naturels. Et pour toutes les filles qui souhaitent, qui sont maquilleuses ou qui souhaitent devenir maquilleuses ou qui sont dans l'esthétique et tout ça, ils ont de superbes cases. Ils ont même des Zooka. Alors les Zooka, enfin, moi je sais que si j'étais make-up artiste, je voudrais une Zooka. Voilà, donc ils ont une Zooka Inglot. Ils ont aussi d'autres valises, d'autres systèmes, mais voilà, pour moi la Zooka c'est... voilà, c'est l'équipement ultime de la maquilleuse, pour moi, hein. Ce n'est que mon avis. Tout est très 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 joli, c'est très bien agencé, la boutique donne vraiment envie, c'est très lumineux. Ils ont mis de grandes baies vitrées, donc vous avez une lumière naturelle, donc il y a des spots bien sûr, mais vous pouvez très bien aller regarder le fond de teint ou l'highlight que vous avez choisi à la lumière naturelle, et c'est très 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 appréciable. C'est quelque chose qui des fois manque, des fois dans les boutiques de make-up ou dans les parfumeries, c'est très enfermé et on n'a pas du tout la possibilité d'avoir accès à la lumière du jour, et là-bas c'est possible. Alors comme vous pouvez le constater, voilà, je suis hyper fan de cette marque. C'est des produits professionnels mais à des prix accessibles. Faites-vous plaisir, allez-y.
Pour toutes les filles qui adorent le make-up à la Réunion, faites-vous plaisir. Et pour toutes les filles qui aimeraient découvrir la marque Inglot et qui ne vivent pas à la Réunion, c'est l'occasion de venir en voyage les filles. Venez, 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 vous aurez un prétexte de plus pour découvrir ma belle île. Je suis vraiment contente d'avoir pu, d'avoir eu l'occasion de découvrir cette marque, d'avoir pu y aller. Voilà, j'espère que Noémie, toi tu vas adorer les produits comme moi je les ai adorés. Ma vidéo revue est à présent terminée, j'espère dans les mois à venir pouvoir vous proposer des tutos avec les fards à paupières que j'ai achetés et avec d'autres choses que j'achèterai chez eux.